Bonjour Christophe Nicolas Bio. Bonjour Eve. Merci d'avoir accepté de répondre à l'interview de l'émission Les cheveux dans les yeux présentée by myself. Je trouve ça formidable comme idée et très intéressant comme initiative. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu cautionner cette histoire. Alors en fait, l'idée des interviews que je vais faire, tu le sais, c'est pour mettre en lumière notre beau métier, qui, je le trouve, est souvent un peu passé dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on nous voit, oui, mais dans les médias, pas tant que ça. Et pour te connaître, je sais que tu es la personne pour moi. Tu es le Mick Jagger de la coiffure. Je vais loin, direct, d'entrée de jeu. Tu es le coup de cœur des chaudes coiffures que je vois. Celui qui est capable d'emmener dans un univers... Même si on ne veut pas y aller, tu emmènes tout le monde à chaque fois. Et du coup, je pense que tu étais vraiment la personne à interviewer d'urgence. Voilà. Donc, d'urgence. D'urgence, d'urgence. Moi, je voulais qu'on parle de toi. Et même si tu es régulièrement dans la lumière, que le grand public éventuellement ait accès un petit peu à ton histoire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on connaît de Christophe ? Pas grand-chose. Voilà. Donc moi, je voulais te demander, la coiffure, est-ce que c'était un choix ? Alors d'abord, juste pour faire un petit retour sur ce que tu viens de dire, effectivement, je trouve que l'idée est fabuleuse parce qu'on a souvent une image d'un coiffeur par rapport à ce qu'il fait, c'est-à-dire la vie en salon, les projections d'images qui sont distribuées dans la presse. C'est ce qui fait un petit peu son image et puis aussi les prises de parole qu'il a à travers différentes interviews, puisqu'on est quelques-uns à être choisis parmi les rédactrices en chef beauté. Mais ces rédactrices en chef beauté ne savent pas aussi qu'il y a une autre histoire, il y a une autre lumière, il y a un autre habit, un autre costume dans lequel parfois le coiffeur peut entrer dedans et le magnifier. Et effectivement, c'est les shows, comme tu l'as précisé. Bon, aucune rédactrice en chef beauté aujourd'hui... à part quelques-unes qui me connaissent très très bien, sont au courant de ce qui se passe sur scène. Et c'est vrai que c'est intéressant, cette initiative que tu as, de faire aussi connaître au grand public la scène et ce qu'un coiffeur peut véhiculer et raconter sur scène. C'est-à-dire que le grand public n'a jamais accès à ces événements-là. Et non, Et donc s'ils ne sont pas redistribués par la presse grand public, ils restent dans l'intimité de nos autres coiffeurs. Mais c'est très français ça, Eve, hein, parce que à l'étranger, par exemple, lorsque je donne des shows à l'étranger, c'est relayé par des journaux nationaux. En Italie, par exemple, où j'ai pu déjà être dans la Repubblica, où je suis passé sur la Rai Uno, voilà, et quand même assez fréquemment, pas juste une fois. Et c'est aussi arrivé dans d'autres pays du monde. En France, tu trouves qu'on n'est pas mis en lumière à ce niveau-là ? Mais c'est très français dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en France, tu ranges les gens dans des cases. Et exactement. La plupart du temps, quand un chanteur est un excellent chanteur et a une histoire avec son public, il a moins de crédibilité dans le cinéma. Et vice-versa, on accepte moins qu'un acteur chante. Et alors, il y a deux, trois exceptions, mais franchement, c'est très rare. Si tu vas aux États-Unis, la culture est complètement différente parce que les artistes, tout confondu qu'ils soient, ils démarrent leur carrière et quand ils prennent des cours, ils sont faits pour jouer comme pour chanter. Oui, donc on trouve souvent des acteurs. Un peu de comédie musicale où tous les rôles sont étudiés. Et c'est ça qui est intéressant, vraiment très intéressant. En France, non, on n'a pas cette culture. D'abord, on n'a pas la culture de la comédie musicale. C'est vrai, ça va venir peut-être parce qu'on en a beaucoup maintenant regarder. Mais ça fait 25 ans qu'on dit que ça va venir et je n'ai pas le sentiment que ça vienne. Tu vois, c'est une question de culture. Dans notre propre genèse, dans notre propre ADN, les Français n'ont pas cette culture. Tu vas à Londres, tu passes la Manche, et c'est un vrai pays de comédie musicale. C'est vrai. Et évidemment, à Broadway aussi. Mais la France a d'autres qualités. C'est sûr. Et notamment, il y a quand même de très, très bons coiffeurs en France. C'est là qu'on excelle. Bien sûr. Voilà. Enfin, la France garde cette étiquette d'excellent coiffeur parce qu'elle a un côté, ce qu'on appelle la French touch. Oui, un côté glamour. Voilà, qui n'est jamais too much, à l'inverse de d'autres pays qui font du glamour, mais où c'est too much. Donc le français, la coiffure française, a cette particularité.
Alors, en tout cas, je vais revenir à ma question Voilà. première. Bavard, moi, Je, hein, oui, quand mais on m'interview. j'ai bien compris que j'interviewe le personnage, hein, pour moi, avec énorme d'énergie. Enfin, je la reçois, tu vois, paf, comme ça. Merci beaucoup. Mais c'est assez génial. Voilà, alors, la coiffure. Raconte-nous, Christophe, c'est comment, pourquoi, à quel âge, des oppositions, pas des oppositions. Oui, c'est intéressant. Alors, dernièrement, je lis souvent le parcours de certains de mes collègues qui, apparemment, eux aussi ont eu un déclic comme ça en accompagnant leur mère ou leur père dans un salon de coiffure. Donc ça ne me semble pas tellement particulier. Moi, si je commence à vraiment réfléchir, le déclic s'est fait bien avant ce moment où j'ai décidé de cela. C'est-à-dire que déjà, quand j'allais à l'école, j'aimais demander à mes copines de me servir de modèle pour les maquiller, non pas les coiffer. D'accord. Ça ne m'intéressait pas les coiffer. Je ne sais pas pourquoi, les cheveux ne m'intéressaient pas à ce moment-là. Les Donc, maquiller. J'adorais les maquiller, les grimer. Tout ça est venu à partir de petites comédies ou de scénettes qui se faisaient dans les Mais fêtes de fin on est d'année. À quel âge? À quel On âge, est à 10 ans, 11 10 ans. ans, 10, 11 Et ans. chaque fête de fin d'année, il y avait un petit spectacle de théâtre. Et moi, j'étais évidemment tout de suite OK pour faire les maquillages de tous mes camarades. D'accord. Donc, j'empruntais tous les maquillages de ma mère et j'allais maquiller. Qui devait être ravie. Ma mère était une femme qui se maquillait énormément, ah, okay. qui était très coquette, qui... voilà, donc c'était... oui, ça l'a amusé, ça ne l'a pas dérangé. Et évidemment, j'ai poursuivi cette histoire sur elle, puisque quand je rentrais, j'aimais bien aussi lui dire « Bon, maintenant, c'est toi la modèle, je vais essayer ce maquillage. » Donc, j'avais 11 ans, 12 ans. Et à 13 ans, elle m'a dit, cet après-midi, « Je vais chez le coiffeur, donc comme tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à m'accompagner. » Donc, je l'ai accompagnée dans un salon très intéressant, parce que ces salons-là, en province, dans une seule pièce, tu faisais tout. Tu avais la rangée des bacs. Sur l'autre côté, tu avais là où on coiffait. De l'autre côté, tu avais là où on appliquait les couleurs. D'accord. Et puis, le dernier côté, tu avais les sièges d'attente avec des casques. Une Donc, tout se passait globale. Ah, exactement, dans une seule pièce. Et c'était quand même un salon important. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Et donc, je me suis installé là. Je me souviens observer, sentir les odeurs et voir aussi surtout ce qui m'a vraiment frappé. C'est l'énergie communicative qu'il y avait entre les shampooineuses et coiffeuses et leurs clientes. Et toute cette histoire d'ébullition dont l'une racontait qu'elle était allée à un concert le soir d'avant, la cliente qui écoutait, enfin tout ça, moi ça m'a fait rêver. Je me suis dit, mais c'est vraiment un monde particulier. Si tu veux... On peut côtoyer de tout. Hein, oui, et puis m'a transmis en fait... ce moment-là m'a transmis aussi le fait qu'on pouvait s'exprimer, qu'on pouvait être soi, qu'on pouvait dépasser les limites dans le sens d'aller loin dans l'extravagance, mais aussi la réception, c'est-à-dire que tu avais des femmes qui étaient tout ouïes, qui étaient comme au théâtre, en train d'écouter ces coiffeuses, transportées. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un univers magnifique. Donc, à la fin de ce travail où ma mère a coiffé et tout, en sortant, je lui dis, écoute, c'est très simple, c'est ça que je veux faire. On va laisser ton bel make-up, voilà. Vais laisser ton maquillage tranquille. Je vais faire ça. Et en cet instant-là, tu penses que ta vie, elle a basculé là, du maquillage vers la coiffure? En tout cas, le maquillage, c'était pas une vocation, c'était non. un amusement. C'était une approche à l'esthétique, je pense, avec le recul. Avec le recul, je n'avais pas fait de projection. Par contre, en sortant de cette salle de coiffure, j'avais décidé que je serais coiffeur. Donc, ma mère était un petit peu dubitative. Elle me dit, écoute, va demander d'abord à ton père, parce que on ne peut pas faire ça comme ça. Alors, je tiens à préciser quand même que mon père, ma mère était une femme assez ouverte à la vie. J'allais te demander son métier. Elle était de métier expert comptable, d'accord. mais très ouverte à la vie, elle a travaillé notamment dans la restauration, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Et aimait la fête. D'accord. Mon père aussi, mais il était dans un métier qui était beaucoup plus rigoureux. Il était officier dans l'armée. Génial.
Oui, la bien sûr, raideur, mais voilà, si tu j'imagine la veux. suite, quoi. La suite, c'était que tu as le sentiment que la mère allait dire oui et le père non. Eh bien, c'est l'inverse. Non. C'est-à-dire que ma mère a eu beaucoup de réserves sur cette projection, sur cette envie. Elle trouvait que j'étais jeune, qu'il fallait que je continue mes études. Alors que mon père lui a répondu, mais écoute, si c'est ce qu'il veut faire, et si c'est comme ça qu'il sera heureux, il faut le laisser faire. Donc voilà, Impressionnant. Enfin, du coup, impressionnant, pour c'est un grand signe l'inverser, d'intelligence, c'est un grand signe d'ouverture, d'ouverture, hein, et d'ouverture. voilà, je pense pas que mes parents m'auraient interdit quelque Ok. chose, franchement, mais ils m'auraient peut-être amené à réfléchir un peu plus. Or D'accord. là, il n'y a pas eu Il amené n'y a pas à eu de réflexion, débat, non, non, tu non, étais sûr. voilà, t'étais Mais là, on sûr. avait quel âge? Enfin, t'avais quel 13 âge? ans. 13 ans. J'avais 13 ans et à cette époque-là, en Alsace, puisque moi je suis alsacien, on faisait aussi un préapprentissage. Donc on Ah. faisait 2 ans de préapprentissage et ensuite 2 ans d'apprentissage. C'est vrai, je Ouais. l'avais oublié Chose moi-même, ça. très intéressante parce que moi, à 13 ans, qui était encore à l'école, Ouais, t'imagines, j'étais on même est pas, j'étais tellement dans le enfant quatrième, à hein. 13 ans, c'est quand on y repense aujourd'hui, 13 ans, Et on oui. demanderait à un jeune aujourd'hui, Ah bah, c'est un qu'est-ce bébé qu'il veut faire? maintenant. C'est un bébé. On est dans Mais les une choses ont autre. changé. Les C'est choses ont ça. changé aussi. Et puis, donc à 13 ans, toutes mes vacances scolaires, j'allais les passer Au dans le salon de salon. coiffure. Je courais. Parfois, entre midi et deux, parce que mon école, enfin mon lycée n'était pas loin. Donc du coup, le collège, je courais faire des shampoings pendant 1 heure et demie. Génial. Enfin Enfin, voilà, j'ai bon. été piqué par cette histoire. Mais vraiment, très profondément. C'est vrai qu'aujourd'hui. C'est des années que je regarde toujours avec beaucoup, beaucoup de nostalgie parce que c'est une époque où moi j'ai toujours été un garçon très pressé. Donc j'avais toujours l'impression que ça n'avançait jamais assez vite. Et j'ai eu un maître d'apprentissage, le meilleur ouvrier de France, qui était très rigoureux et qui estimait que tu pouvais commencer à plier des serviettes une fois que tu savais balayer les cheveux. Et si tant que tu ne savais pas balayer vraiment les cheveux, parce qu'il y a balayé et balayé, eh Avec style, bien, avec avec style. style, Et avec sans style. élégance, avec voilà, eh bien, tu ne pouvais pas plier les Ça, serviettes. déjà, on peut faire un petit arrêt pour les personnes du grand public qui regarderaient. Il faut savoir que le ballet se passe avec style. Absolument. Moi, Voilà. je fais très très attention quand je regarde quelqu'un balayer des cheveux à sa manière de tenir un Ça balai. dit un peu tout de la suite. Eh oui, Voilà. évidemment, évidemment. C'est pour ça qu'il avait Ah, grandement raison il était très très de. très porté sur ce. Il était très maniaque en fait. Ouais. Donc il a évidemment fait un maniaque, ça c'est évident. Meilleur ouvrier de France, tu me Meilleur disais? ouvrier de France, mais aussi pas seulement. C'était un homme qui avait bah, dans sa propre vie certainement des tourments. Et je pense que quand on a des tourments, on s'implique peut-être encore beaucoup plus dans son métier et on Pour essaye. oublier ses tourments, tu Oui, penses? je crois. Moi, j'ai fait cette analyse-là. Ok. Donc voilà, alors l'apprentissage, c'est une période chez moi qui est une période très très Le intéressante. dis qu'en tous les cas, si on t'entend, c'est tu cours, c'est de la joie. Oui, mais moi j'étais pressé, quoi. Je trouvais que je savais bien balayer, maintenant il fallait que je plie les serviettes, que des serviettes pliées, il fallait que je fasse les shampoings, et que quand je savais faire les shampoings, il fallait que je sache faire les massages, et surtout, je voulais appliquer les couleurs le plus vite Ah, possible. ok, d'accord. J'étais obsédé par la coloration, en fait, Déjà. par le fait qu'on pouvait devenir blonde en 30 minutes. Ça, Ah. c'était une obsession chez moi. C'est... Ah, La transformation chez oui, toi, ça doit oui. être un thème. Je pense que ça m'a marqué, Parce oui. Oui, ça que m'a marqué. après, Je dans tes regardais. shows, dans tout ça, c'est Mais toujours le fait d'appliquer des colorations très éclaircissantes et de regarder comment ça se le développait, je trouvais ça processus, ouais. magique, magique, Ben, quoi. c'est magique, Elle est hein. brune, elle sera blonde, elle vient avec des racines, elle va être blonde après. Je trouvais ça exceptionnel. J'étais là comme ça, toujours en train de regarder. Ça, c'est des souvenirs, Spectacle voilà. de magie un Oui. peu Ouais. Ça, qui il y opère. avait cette magie aussi. Voilà, et puis, bah, Donc écoute, je on pense a que... fini par te laisser appliquer des couleurs, Ah oui, quand très même, vite, très très vite. vite. Donc Oui. finalement, J'ai appliqué les couleurs très vite, et évidemment, j'ai coupé les cheveux très vite, aussi parce très très vite. qu'après. Pas assez vite à mon goût, parce qu'évidemment, encore une fois, j'étais très très pressé, mais... Il faut rappeler que sur scène, avec toi, tout se passe vite. Hein. Oui. C'est-à-dire que je ne sais pas si on pourra mêler des images de show à Mais cette il interview, faut le il faudrait, faire. j'essaierai. Mais en tous les cas, voilà, tout se passe vite, tu emmènes les gens vite. Enfin, on sent qu'il y a une urgence de vivre chez toi, de toute façon, qui effectivement devait déjà être dès la Oui, prime et enfance puis dans un très show, marqué. ce qui est intéressant, c'est aussi d'ouvrir et de plonger tout de suite le spectateur dans l'histoire,
qu'elle soit gay, triste, rock, nostalgique, romantique, ce que tu veux. Oui, tu donnes un thème à chacun de tes voilà, choix. Voilà, il y a un thème particulier et tu, l'entrée en matière doit se faire assez rapidement pour vraiment emmener ton spectateur avec toi et ensuite qu'il te suive. Donc faut, c'est ça. Alors, pour qu'il te suive sans perdre l'attention, il faut que tout soit cadencé, il faut des moments peut-être... Mais ça, c'est une réflexion, une longue réflexion, je pense. Enfin, je pense que tu n'arrives pas à un show comme tu fais, de la qualité, la maîtrise que tu as des shows maintenant, sans une réflexion. Combien de temps ça prend de créer un show? Bah là, en fait, je prépare les shows de l'année prochaine. Cette année, 2019, ce n'était pas une année très scénique. J'ai dû donner 3 apparitions, mais c'était voulu. D'accord. Alors, il est arrivé des années où j'ai fait des shows, où j'avais une vingtaine de shows, et sur les 20 shows, tu avais parfois 6 ou 7 thèmes différents. C'est-à-dire que j'ai dû faire 3 fois le même show, puis après j'ai changé, ouais, tu vois. Oui, bah oui, ça, parce c'est qu'on ne peut pas revoir la même chose en plus. Alors, en termes de travail, il faut bien du temps là aussi. Mais en fait, c'était surtout par rapport à l'endroit. Sur la même année, j'ai dû faire, je sais pas, je donne un exemple, Moscou, Paris, Dubaï. Et à Dubaï, il y avait un show qui était préparé. Moscou, c'en était un autre. Paris, c'en était un autre. Donc, du coup, ce n'était pas la même chose. Donc, ça c'est extrêmement épuisant. Ça doit être compliqué, oui. Maintenant, en général... Sur une année, tu as plus ou moins la même histoire parce que ça raconte une connexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux, en plus, tout va vite. La communication, tu fais un show en novembre. Si tu le représentes en mars, les gens connectés l'ont un peu vu. Même si c'est vrai, mais alors ça dépend ce que tu racontes. Voilà, ok. Et l'année prochaine, donc pour revenir à l'année prochaine, c'est une année très particulière. Je ne veux pas trop dire de choses, mais ça va être une année très particulière. Dis-nous à quoi on peut s'attendre. Une grande surprise. Bon, déjà, voilà. C'est pas mal. Une grande surprise. Et parce que c'est une grande surprise, c'est la première fois que je vais faire ça. Donc, il y a déjà à peu près 10 dates qui sont annoncées à travers la France. Il y a aussi 4-5 dates en Italie, puisque je travaille beaucoup aussi en Italie. Et éventuellement encore une tournée Vela. Enfin, bref. Oui, parce qu'on n'a pas dit que tu es coiffeur. Oui. Ambassadeur, comment tu te... Je vais te le dire. Donc, parce que ce sera une grande surprise, ce show-là sera joué plusieurs fois. D'accord. Voilà. Alors, il y aura peut-être chaque soir un changement. Oui. Mais il sera joué plusieurs fois sur l'année parce D'accord. que c'est une grande surprise. Ok. Bon, alors là, on peut s'attendre à tout avec à toi. Tout. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que tu ne te donnes pas de limite. Moi, je pense qu'un artiste coiffeur qui vit sa vie pleinement, artistique et créativement, il est comme un chanteur. Tu ne peux pas demander à Mylène Farmer, par exemple, ou à Madonna, ou à d'autres, de refaire leur tour de chant. Exactement, tu vois, à l'identique. Non. Exactement, les dentistes qui vont le faire, ils vont juste ajouter un titre ou en enlever un. Ouais. Mais en tout cas, la structure du show, elle va être la même pour 2019. Bah, tu vois ce que je veux dire. Pour pouvoir ensuite, justement, travailler sur l'émotion, sur des choses voilà. comme ça, il faut que la structure, elle soit stable. Voilà, et c'est ce qui va se passer en 2020. Okay. Contrairement à d'habitude où, en mars, je ne donne pas le même show qu'en septembre. D'accord. Là, pas du tout. Donc, on peut s'attendre à beaucoup d'émotions. Énormément. Si tu as la stabilité, énormément. Moi, j'ai déjà peur de la suite. Énormément. En tous les cas, t'es content de là où tu en es aujourd'hui, de comment tu es parvenu. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais, des choses que tu changerais dans ton parcours professionnel? Comment tu vois ça? Écoute, je pense que j'arrive à un carrefour de ma vie, ça c'est certain, professionnel et certainement humaine aussi, parce que voilà, tout se rejoint. Et c'est pour ça qu'il y aura ce show. Et c'est pour ça que 2020 sera une année. La vache arrête, hein. Très particulière. J'arrive à un carrefour de ma vie où effectivement il y a un petit peu de, il y a une réflexion sur l'avenir, chose que moi je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Je n'ai jamais projeté, jamais. D'accord. Je me suis jamais dit je ferai ça à tel âge, je ferai ça à un autre âge, j'aurai plusieurs salons, je n'en aurai pas. Non, tu n'as pas eu de, non, de stratégie jamais... de... Non, il n'y a eu aucune stratégie. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, oui, la chance, les rencontres, le travail font qu'il y a des choses qui émergent parce qu'elles sont provoquées. Oui. Mais le carrefour fait qu'il va falloir faire des choix parce que tu ne peux pas tout faire.
tu arrives à un conflant où il y a beaucoup de choses qui arrivent et il faut aussi faire attention, il faut se préserver aussi soi-même. Et puis, il faut continuer parce à faire... Parce qu'il faut dire que la coiffure est quand même un métier ultra physique. Ça, je veux qu'on le dise aussi parce que... C'est un métier plus que physique. C'est un métier quand tu le vis ici, dans cet endroit où on se retrouve. Nous sommes à Saint-Germain-des-Prés. On est à Saint-Germain-des-Prés, qui est la maison emblématique, ma première maison et ma première adresse à Paris, qui m'appartient. Très, très, très bel endroit que je découvre. Et c'est une maison qui est pleine d'histoire. Là, on est tous les trois, on est au calme. Il y a une espèce de... Voilà, une fluidité calme qui règne. Mais quand tu viens le vendredi ou le samedi, dans les moments où je travaille, ou en pleine semaine, c'est... Ça court. C'est ce que tu aimes. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi ce que tu viens de dire. Physique. Très, de toute façon, physique et mentale. Parce très, que très être créatif en même temps qu'être debout, enfin, en même temps, c'est, notre métier, il est quand même, il faut le dire, technique, physique, émotionnel, enfin pour moi... Oui, psychologique, parce qu'on doit faire appel à beaucoup de psychologie. Plein de ressorts quand même dans bien notre sûr, métier. Hein, bien sûr. Sans parler du management, parce que là maintenant, toi, tu es à un niveau où il faut que tu intègres le management tous les jours. Donc, on est coiffeur, mais à la fois, il faut s'occuper de la plomberie. Enfin, on a tellement de choses en tête. Non, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, le métier de coiffeur, en 10 ans, il s'est complètement transformé. Et c'est vrai que si tu n'as pas une forme, non seulement de culture, mais aussi de ressort physique, parce que tu n'es pas qu'un coiffeur, tu ne dois pas être qu'un bon coiffeur, tu dois aussi être un bon RH. Tu dois être un bon gestionnaire, tu dois être quelqu'un qui sait communiquer, tu dois être quelqu'un qui sait emmener tes équipes, dynamiser, donc manager. Et tu dois aussi... Tout ça, c'est des côtés qu'on ne connaît pas. Hein. Non. Le grand public pense qu'on est coiffeur, on jacasse un peu toute la journée. Exactement. Et moi, c'est ça que je veux mettre en lumière. Exactement. C'est le côté difficile, parce que c'est dupliqué, en fait. C'est tout un tas de métiers qu'il faut connaître, comme tu dis. Oui, alors, il y a évidemment dans ce métier toute une partie de gens qui enfilent tous ces costumes, et avec bonheur et plaisir, et qui y arrivent. Et puis, tu en as d'autres qui n'y arrivent pas, et qui font appel à des groupes pour être portés, parce qu'ils sentent bien que tout seul, ils n'y arrivent pas. Ah, tu parles des coiffeurs franchisés, là. Oui, des franchises, des partenaires, des choses comme ça. Alors, je ne dis pas que je suis contre ça. Hein. Non. Je dis que heureusement que la franchise a eu existé et existe encore dans ce métier pour emmener et porter beaucoup de gens qui n'ont pas toutes ces capacités et tous ces ressorts. Maintenant, il y a aussi l'effet pervers. Cet effet pervers, c'est que on se sent totalement déresponsabilisé de tout. On pense que la franchise va tout faire, et en fait, non. Bah, non, la franchise, elle ne peut pas tout faire. À un moment donné, un salon, ça reste un salon. Voilà. L'identité, à un moment, quand même. Même si tu as un nom, tu as une personne qui tient la boutique. D'accord. Généralement, ouais, donc... Donc bon, ça, peut-être encore... On peut prendre plein de routes avec toi. Voilà. Donc, toi, tu étais à un carrefour. Oui, on est moi, à chaque carrefour. Moi, je vais te recentrer à chaque fois. Le carrefour, c'est que, voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Effectivement, moi qui n'ai jamais fait de plan de carrière, de plan sur la comète, aujourd'hui, je me retrouve à devoir faire des choix, mais aussi orienter quelles vont être les 5 prochaines années. Et ça, donc, tu t'es posé, toi personnellement, ou avec une équipe? Pas encore. Mais il faut qu'on trouve le temps. Voilà. Alors, dans l'urgence du carrefour, c'est programmé. On a une grosse réunion la semaine prochaine où tous, enfin, on est plusieurs, on doit plus ou moins venir avec des idées. Moi, je sais plus ou moins un peu les idées que j'ai. Maintenant, voilà, c'est qu'est-ce que va être Christophe Nicolas dans 5 ans ? Dans 5 ans. Et ça va vite, hein, parce que 5 ans, aujourd'hui, c'est 10. Ça passe super vite. Ah. Qu'est-ce qu'il veut être ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il ne veut plus faire ? Et à partir de là, essayer de trouver le bon chemin pour y arriver. Voilà. Parce qu'on peut préciser que tu es quand même à l'origine de beaucoup de concepts. Innovant, ouais. Que tu es une, moi j'ai envie de dire, inspirée tout le temps. Ouais. Donc je pense que tu es connectée au terrain d'une façon très très forte, sinon tu ne sentirais pas les besoins comme ça. Et du coup, tu es positionnée sur plusieurs concepts. Moi je suis connectée à la vie et je suis connectée à ce que les gens ont besoin.
Parce que donc tu es le créateur du bar à chignons. Oui, alors c'est bien de profiter de. C'est les concepts. Hein. Enfin, je veux dire, dans ta tête, il y a eu tout ça à un moment donné. Profiter de ta plateforme pour parler de ça. Ça, c'est très intéressant. Bah. Le bar à chignons, quand j'ai eu l'idée de le conceptualiser et de le mettre sur orbite, il existait des petits bars à chignons de ci, de là. Marianne Gray avait fait, entre autres, un petit bar à chignons avec du saucisson, du vin, enfin bon, à 10 balles. Alors, je ne connaissais pas, mais OK. Voilà, OK, bon, d'accord, en after. Bon, moi, je me suis dit que pour que ce concept marche réellement, il y a une attente. L'attente, c'était de dire, voilà, les femmes ont des cheveux longs, elles ne savent pas en faire quelque chose. Il faut leur proposer des choses, surtout les jeunes, le fait qu'elles ont déserté les salons de coiffure, les faire revenir dans un salon. Mais il ne faut pas que ça coûte trois bras. Et en même temps, il ne faut pas dévaloriser notre métier. Parce que quand j'ai donc fait pas facile, hein, le positionnement, voilà. Là, quand j'ai fait le concept du bar à chignons, j'ai fait 10 minutes 20 euros, 20 minutes 40 euros, 30 minutes 60 euros. Oh là là, les foudres me sont tombées de certaines personnes dans le métier et même dans la presse professionnelle au départ, en me disant oui, il vulgarise le chignon, il le à un moment donné, il n'y avait plus personne qui savait faire. À ce moment-là, personne ne savait faire. Plus personne ne savait faire de chignon. Et donc, d'abord, ma première réponse, c'était celle-là. La deuxième réponse, c'était de dire, mais, eh bien non, parce que si vous faites un calcul, si 10 minutes est à 20 euros, 60 minutes est à 120 euros, la fiche moyenne française étant à 39 euros, je n'ai pas l'impression, moi, de rendre le chignon cheap et de vulgariser cette prestation. Donc, c'est vrai que j'ai mis un terme à cette polémique et le bar à chignon a évidemment eu le succès énorme de... ce qu'il y a eu, j'ai été maintes fois, on va dire recopié, mais pour mon grand bonheur, parce que comme dit Chanel, oui. La copie, c'est la reconnaissance aussi de la rue, et mon but, c'était que ça descende dans la rue. Donc, moi, j'avais fait mon travail, j'ai surfé là-dessus, et encore aujourd'hui, il y a parfois des articles qui tombent sur le créateur du bar à chignons. Mais j'en suis pas resté là, parce que je pense qu'il faut trouver d'autres choses à proposer. Non, déjà ailleurs. J'étais déjà ailleurs. Et il y a eu le bar des coloristes. Aujourd'hui, il y a la coupe minute parce que là aussi, elle répond à une attente. Donc là, c'est de la coupe sur cheveux secs. C'est de la coupe sur cheveux secs, minute. Donc le même concept, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. D'accord. Avec juste une coupe, just a cut, donc c'est-à-dire une et, frange. Et les gens, les clients comprennent le oui, 10 totalement. Minutes, oui, ok. Totalement. D'accord. Oui. Mais ici. Avec le bar à chignons, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les gens rentraient, poussaient la porte et disaient « j'ai pris rendez-vous pour un 10 minutes ». D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un 20 minutes ? Okay. Tu vois, donc c'est ça. Un langage nouveau. Ben, l'idée, c'était de faire rentrer des clientes dans un salon alors qu'elles ne fréquentaient pas les salons de coiffure et de venir… plus, tu vois. Plus ou pas, parce que les jeunes non plus, ce n'était pas dans leur culture. Et puis de consommer un chignon comme une bouteille de Perrier ou un coca ou un café. Et c'était ça l'idée. D'accord. En moyenne, quand tu vas dans un café, tu y passes entre 15 et 20 minutes. Oui, oui, oui. Donc, prendre un café. Donc, voilà, les concepts sont beaucoup liés aussi au comportement. C'est pour ça que je dis que tu es connecté quand même, grandement connecté, que ce soit dans une salle. Parce que moi, je peux dire que tu fais lever une salle comme le Zénith pour moi. Le, ah oui, le Louvre, Zénith, le Louvre pour moi, Louvre c'est aussi, c'était fort. Ouais. Voilà, t'es quand même que les gens sachent bien que le coiffeur que j'interviewe aujourd'hui est quelqu'un qui est capable de faire lever une salle entière avec des cheveux. Oui, c'est vrai que. Et là. C'est vrai que quand la première standing ovation que j'ai eue, elle date de peut-être 2000. 2010 en tout déjà. Cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est ta sensation. Ah, mais justement, la première standing ovation que j'ai eue, ça a été immense, quoi. Parce que pour moi, c'est une marque de reconnaissance de la part des gens. Tu t'y attendais pas du tout ? Non, pas du tout. Non, non, okay. Non. Je savais que ce que je fais, ça touche le public, mais j'ai toujours théâtralisé mes messages. Mais où tu t'en vas dans ta tête ? À ce moment-là, quand t'es plus nulle part, moi, je le sens. T'es plus sur scène, ouais. T'es plus avec nous, t'es même plus avec le modèle à qui tu coupes les cheveux, t'es où ? Je suis dans la vie. T'es dans la vie. Je suis dans la vie de chacun. C'est je ça. Pense que chacun a vécu des parcelles. En fait, il faut savoir que chaque titre qui est choisi, c'est des titres bien précis qui racontent une histoire, qui racontent un moment de joie, un moment de tristesse, un moment de folie aussi. Moi, j'ai envie de dire, ça me vient tout de suite comme ça, excuse-moi, tu es défragmenté ouais. Pour être un.
Oui, c'est ça. À un moment donné, tu vois, ça m'est venu comme... Ce qui est très fort dans mon... Ça ne parlera pas. Non, non, moi, en tout cas, ça me parle. Ça me parle. Mais ce qui est très fort, c'est de trouver aussi, et je les ai trouvés, de trouver des modèles, des mannequins qui j'allais sont te dire, en elles synergie te suivent, avec elles moi. Te suivent, dans mes histoires. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça qui fait qu'un aussi. Okay. Parce que leur regard, leur gestuelle... Bon, répète, hein. Oui, j'allais dire... Mais elles sont capables de faire tellement de choses pour moi. Et ça aussi, c'est intéressant dans le parcours que j'ai eu depuis une quinzaine d'années, puisque la première fois que j'ai présenté un très grand show à Paris, c'était en 2005, au MCB. Mm-hmm. Et donc l'année prochaine, ça fera 15 ans. Oui, voilà. D'accord. 15 ans. OK. Et de trouver des filles qui avancent avec toi dans ta carrière et peu ou prou n'ont pas vraiment changé dans la structure de mon équipe. Et on vieillit avec toi. Ça, c'est génial. C'est extraordinaire, parce que moi, je suis un garçon très fidèle. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. C'est que moi, je transmets un moment de vie dans mes shows. Ben, c'est ça. Une tranche, on ne sait pas laquelle, ouais. D'ailleurs. C'est... Je pense que chacun, tout à chacun, peut être touché par un moment dans le show. Même si on ne m'aime pas, même si on ne m'apprécie pas. Oui. À un moment donné, il y a un titre qui va nous parler ou qui va parler au spectateur. Et la standing ovation, elle provient aussi de ça. Oui, ou la standing ovation que j'ai eue au Zénith en 2013, c'était juste quand t'as tout ce Zénith qui se lève devant toi, un égrégore presque. Ça doit être quelque chose. En tous les cas, moi, je pense que t'as été chanteur dans une autre vie. Oh oui, en tous les cas, il y a quelque chose qui t'habite, hein, que t'es habité complètement. Mais dernièrement, tu sais, j'étais en province, parce que moi je suis un provincial quand même, et puis j'ai des copains qui m'ont dit, oh là là, mais c'est incroyable, sur scène, ce que tu fais. J'ai dit, oui, mais pour moi... Alors, tes copains ne doivent pas comprendre quand on te connaît dans la vraie vie. Si jamais ils me disent, mais alors à Paris, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu dois tout le temps être dehors. Je dis, non, je crois que tu as une vie assez stricte. Je ne sors pas. Moi, je regarde ton corps quand tu es sur scène et je me dis, mais punaise, alors il ne mange pas, il fait du sport tout le temps. Il boit du jus d'herbe, d'ailleurs, il y en a derrière toi. Tous les matins, c'est très important. Voilà. Mais alors, tu vois, il me dit, tu sors et tout. Je dis, non, je ne sors pas. J'ai dit, ce que je faisais à 15-16 ans en boîte de nuit, parce que moi, quand j'allais en boîte de nuit, j'investissais la scène, hein, et c'est de la boîte, elle était pour moi. Alors là, je peux imaginer, voilà. Tu vois, étrangement. Et si tu veux, je l'ai retransféré. Aujourd'hui, la scène, c'est ma boîte de nuit. Donc voilà, il y a juste des spectateurs autour. Avant, ils étaient au milieu, ils étaient en train de danser au milieu. C'est ça, en fait. J'ai toujours aimé l'art du spectacle. Ça m'a toujours plu. Voilà. T'aurais pu le cirque, tout ça. Oui, bien sûr. Strass, paillettes, saltimbanque, tous ces mots reviennent. Courir, joyeux, urgence aussi, ouais. S'entraînent tout le temps, hein, ces gens-là. Enfin, en tous les cas, moi, je dis que pour arriver jusque-là, enfin, c'est un sacré travail. Hein. C'est une montagne d'heures. Qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui à des jeunes gens qui voudraient faire notre beau métier? Qu'est-ce que tu... Tu viens de dire aussi, tu viens de résumer ce que je pourrais dire à des jeunes gens et ce que je leur dis, hein, quand ils viennent me voir ou quand ils m'écrivent sur les réseaux en me demandant mes conseils et tout, c'est que la première des choses, à tort ou à raison, mais ne regardez jamais l'heure. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais eu de montre à mon poignet. Je ne regarde jamais l'heure. On n'a pas fait exprès. C'est pas possible de regarder l'heure. C'est pas possible. Pourtant, on a des rendez-vous, on est timé dans notre métier. Oui, mais quand je dis ça, c'est quand tu démarres, quand tu travailles. Oui, c'est vrai. Quand tu travailles, tu ne regardes pas ta montre. Aujourd'hui, on est avec les 35 heures, on est bien brillé. Oui, alors moi, je ne sais même pas ce que c'est. Non, mais je parle alors pour des gens qui commenceraient. On va leur calculer leurs heures. Il faut être transparent avec les gens qui te font confiance et qui viennent vers toi ou qui veulent t'accompagner pendant un petit temps en tant qu'assistant ou en tant que collaborateur, oui. En leur disant OK, mais ici, ça ne fonctionne pas les 35 heures. C'est théorique. C'est théorique. Mais si vous voulez bien gagner votre vie, ouais. Si vous voulez faire un métier qui vous passionne, si vous voulez être dans une équipe passionnée, vous oublierez ces 35 heures. D'ailleurs, elle n'existe pas. Ok, tu es transparent. Ça, non, mais c'est mieux. Oui, c'est... Alors après, on peut me dire, moi, ça ne m'arrange pas pour différentes raisons, personnelles, familiales. Ok, alors à ce moment-là, on ne fait pas affaire ensemble. Ok, c'est donc tout. Tu es clair.
Moi, je suis clair. Non, parce que c'est une somme de travail. En fait, la coiffure, il faut apprendre à délier ses mains. Tu parlais tout à l'heure du balai, mais ensuite, il y a les mains. Ensuite, enfin, la technique, c'est, ouah, c'est sans fin. Le brun qui devient blond, nous, on le sait, c'est la colorimétrie, c'est des heures et des heures. Oui, oui. On a l'impression que c'est magique et qu'on applique un produit, que ça devient blond comme on veut, là, comme ça, en 30 minutes. Mais non. Nous, on sait mais t'as tout on ça, c'est... Mais le travail, le mot travail n'est plus un travail à partir du moment où tu es passionné. Moi, je n'ai pas l'impression que je travaille quand je monte un show, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, tu ne nous as pas dit combien de temps ça voilà, prend. Voilà, alors ceux de l'année prochaine. En général, ça prend 9 mois. 9 voilà. mois. Le temps de faire un enfant. Voilà, d'accord. C'est ça. Hein. C'est joli. Alors, moi, je n'ai pas fait d'enfant. Mais c'est pas joli. Pour l'instant, mais bah, tu vois, la métaphore, c'est ça. Ce sont des enfants, en fait. À chaque fois que j'ai pu faire monter un show, c'est un enfant. Et moi, je les garde comme des petites madeleines de Proust, mes shows. D'accord. Parce qu'il y a une histoire pour chacun d'eux. Donc là, ça fait quand même... la première aura lieu le 29 mars à Marseille, au Festival CBM. Voilà, parce que je suis produit par Vela. Oui. Je suis ambassadeur artistique international, c'est mon vrai titre. Nous sommes peu à être à l'international en France, chez Vela. C'est vrai. Nous sommes deux. Et si tu veux dire le nom du deuxième, tu peux. Moi, c'est Cyril Brune, que j'interviewerai avec grand plaisir. Je suis sûr qu'il sera agréable. En tous les cas, joueur. C'est... Agréable, joueur et loquace, comme il sait être. Et tous les deux, nous sommes rencontrés il y a quelques années lors d'un symposium international pour Vela. Oui. Et ça a été évidemment. Une surprise très agréable, c'est-à-dire que c'est nos rendez-vous à nous deux. D'accord. On prend énormément de plaisir. Pendant tout le reste de l'année, on se voit très peu, on n'a pas le temps parce qu'il a sa vie, j'ai la mienne. Il travaille énormément. Il bouge beaucoup. Il travaille beaucoup. Moi aussi, de mon côté. Mais du coup, vous vous entendez bien en créativité Mais tu sais, je pense que deux artistes. Qui sont créatifs, quand ils se rejoignent, quand ils se retrouvent, ils apportent chacun leur vision et leur manière. Et c'est ce qui fait aussi les réunions, les symposiums de tous ces artistes internationaux que nous sommes. C'est-à-dire intersidéraux, voilà, on peut si le dire là aussi, presque. Internationaux au sein de la Vela Family, parce qu'on se retrouve et là, il y a une espèce de... D'émergence, d'idées, de talents. Ça va être quelque chose, bien sûr. Et Cyril et moi, on est très heureux de vivre chaque fois ces moments qui sont privilégiés. Après, on rentre chacun dans notre petit contrée. Oui. Mais c'est chaque fois un grand bonheur de se retrouver. C'est humain et c'est professionnel. Ok. Après, si tu veux, pendant l'année, on va peut-être échanger 2-3 fois sur des sujets, rapidement en texto ou en messenger. Mais ça n'enlève pas. Ouais, okay. Comment dire, le respect, la considération que l'un a pour l'autre. Okay. Et c'était très rigolo parce que la première fois, on était tellement heureux de vivre ces moments que quand on est rentré, on s'est beaucoup amusé à mettre nos photos ensemble sur les réseaux sociaux et en disant, oh là là, il y en a beaucoup qui vont, vont se poser beaucoup de questions. Oui, ça a dû jaser un peu. Hein. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Ah bon, mais je croyais qu'ils ne pouvaient pas se voir. Ou tu vois, des choses oui, un petit peu. Il faut toujours faire parler un peu les gens, il faut toujours un peu de matière. Non, mais c'était, voilà. Et c'était, donc pour revenir à ça, quand je fais ça pour Vela, évidemment, depuis maintenant 10 ans, hein, oui, puisque j'ai signé mon contrat avec l'international il y a 10 ans, c'est très très intéressant parce qu'on est dans une sphère à non pas que juste être ambassadeur ou partenaire français n'est pas bien, ça ce n'est pas vrai, au contraire, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de respect et de considération aussi pour ceux qui ne s'occupent que de la France ou qui ne sont intra-français, mais le fait d'être emmené à l'international, porté à l'international, et que ta voix en tant qu'artiste français soit écoutée, soit entendue pour l'international, c'est très très stimulant. Ça m'a ouvert énormément de portes, bien sûr. Bien sûr. D'où les choix que tu as à faire peut-être après. Oui, ben là, il y a un projet énorme qui va voir le jour et sur lequel je travaille déjà avec l'international, donc je ne peux pas trop dire. Mais moi je sens ça dans le carrefour. Et ça fait aussi partie de la décision aussi l'après 2020.
tu vois. D'accord. Donc, pour revenir au show, 9 mois pour préparer un bébé et revenir au travail, oui, ça demande énormément de temps, énormément de travail. En venant ici te rejoindre, j'avais les écouteurs et les écouteurs, je les ai jusqu'au dernier instant, jusqu'à l'enregistrement final de la bande-son et de la bande image, parce que toutes les bandes son, c'est moi qui les réalise. Je ne laisse à aucune personne le fait de choisir tel titre, tel moment, tel enchaînement. Donc, je travaille après avec un ingénieur du son qui lui te suit, en fait, dans les idées que tu as. Il va me mixer à la seconde près ce que je veux. Derrière ça, ça rentre en studio pour trouver des images, parce que je fais des films. Oui, j'ai aussi été un des premiers à faire un film qui raconte l'histoire du show. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu racontes physiquement ce qui se passe derrière, sur l'écran. Et les spectateurs aujourd'hui et mes fans savent qu'il y a cette synergie. Donc, il y a ça. Le montage. Et puis, on t'attend à chaque fois. C'est-à-dire, on se dit, où est-ce qu'il va nous emmener là? Oui. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on sort? Ça va être très particulier l'année prochaine. J'ai franchement, bien hâte. Je pense que les gens vont être très touchés parce que ça va être très touchant. Okay. Voilà. Est-ce que tu nous emmènes un peu dans ton carrefour? Oui, enfin, je vous emmène surtout dans ma vie, quoi. Ça va être l'histoire de ma vie retracée. Et c'est très compliqué de retracer une vie en 30 minutes. Surtout la tienne. Ben, la mienne, mais même la tienne, je suis sûr que c'est compliqué. Oui, la vie de tout le monde, parce que c'est quand même toute une vie de 40 ou 45 années. Oups, que tu vas de la naissance, tu vois, au moment où tu présentes, c'est compliqué, très compliqué. Mais je vais y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Alors, il faudra se concentrer un petit peu. Ça, comme toi, t'as envie d'être partout. Ça va sûrement te demander un travail. Ça demande un gros travail de synthèse. Ouais, voilà. Mais c'est des heures et des heures et des heures. Et pour revenir à ta question sur les jeunes, oui, il ne faut pas regarder. Oui, il ne faut pas compter. Parce que quand tu es passionné, tu comptes. Ce qui paraît facile à faire, c'est comme un artiste qui est sur le fil. Tu sais, dans le vide, tu as l'impression qu'il marche sur le fil et qu'il a toujours su faire ça. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on coiffe en parlant. Parce que ça nous a demandé des heures de coiffer sans parler. Évidemment. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas assez. Puis alors, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre, hein, parce que ça touche un peu à sa fin. Qu'est-ce que tu penses de l'ubérisation de la coiffure? Alors, il y a différentes ubérisations de la coiffure. C'est quoi? Parce que quelque part, pour moi, si je rejoins ta question, l'ubérisation, elle existe depuis longtemps avec les travailleurs à domicile. Oui. C'était déjà des Uber. Là, maintenant, tu l'as sur des applications. Donc, tu peux, en 2 minutes, trouver ce travailleur à domicile moderne. Oui. Voilà. Écoute, je pense que ça n'enlèvera pas ce qui existe chez les vrais professionnels. Ce n'est pas... Je pense que c'est un service qui doit exister, puisqu'il existe déjà, et là, en fait, il s'est juste concrétisé via les applis. Oui, voilà. C'est juste une façon plus simple. Voilà, c'est du travail à domicile. Point. Ça ne remplacera jamais l'univers d'un salon de coiffure. Ça ne remplacera jamais les bonnes odeurs dont on a évoqué tout à l'heure, où on peut sentir le parfum, où on peut sentir l'odeur d'un shampoing, l'odeur d'une plante. Ça n'empêchera jamais de visualiser une femme qui est en train de se faire coiffer pendant qu'une autre attend. Et évidemment, il y a ce regard qui fait que elle est admirative, elle est envieuse. Un miroir, tu dirais. Évidemment, il y a tous ces effets miroirs. Quand tu es seule chez toi, ben c'est un service, tu as besoin d'un brushing. Ok, voilà. Okay. Mais ça ne jamais... Moi, je suis de ceux qui dit haut et fort que ça ne tuera jamais le métier. C'est faux. C'est faux de croire l'inverse. D'accord. Ceux qui croient l'inverse, c'est des gens qui, aujourd'hui, ont peut-être moins le moral, moins la pêche, qui ont connu des revers pour X raisons. Moi, je ne lance jamais la pierre. Oui, sans jugement, c'est juste... Sans jugement aucun. Okay. Mais sont souvent des gens qui ont la peur du prochain. D'ailleurs, l'humain a souvent peur de la nouveauté. Ça lui fait peur. Bah oui, ça le fait se déplacer de sa zone de confort, tu comprends. Mais il faut aussi, parce que chaque chose nouvelle dans un métier, c'est quelque chose qui va donner un coup de pied aux autres. Moi, je suis d'accord avec tu ça. Vois, pour rebondir... Si tu prends l'exemple de... Alors, prenons l'exemple d'Uber. Dans le service de voiture,
dans le service du déplacement. Je sens qu'on va être d'accord. Uber, qu'est-ce qu'a fait Uber ? Uber est arrivé, les VTC sont arrivés, ils ont tout cassé, il y a eu des manifs. Oui, c'est vrai. Tous les jeux, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté, des taxis qui ont manifesté et qui aujourd'hui sont même du taxi. Et moi, j'ai été client, non, un petit peu client d'Uber, pas trop, mais plutôt client du cab, que je trouvais intéressant. Au bout d'un moment, je suis revenu au taxi. Voilà, je suis redevenu client à la G7. Je suis au club affaires, mais comme je l'étais au VTC. Et comme je l'ai été avant quand je les ai quittés. Mais quand je les ai quittés, c'est parce que j'estimais que vraiment, ils n'avaient plus de service. Aujourd'hui, je retrouve des gens qui sont souriants, qui sortent de leur voiture, qui te mettent ta valise dans le coffre, qui viennent t'ouvrir la porte. Ouais, enfin, on avait complètement perdu ça parce que le taxi français, il ne savait plus du tout ce que c'était le service. D'ailleurs, des fois, il ne te prenait pas. Voilà, il pensait uniquement qu'il était là dans son siège pour conduire. Tu rentrais dans une voiture qui n'était pas toujours clean. C'est vrai. Et franchement, les Uber et les VTC, quand ils sont arrivés avec leur costume, leur cravate et des voitures nickel, uniformes, mais en tout cas, c'était intéressant. Et ça a réveillé la conscience des autres. Et je suis sûre. Donc tu penses que ça va faire pareil avec les coiffeurs ? Pour beaucoup, puis ceux que ça ne réveilleront pas, malheureusement, disparaîtront. C'est ça. Malheureusement, disparaîtront. Se renouveler ou mourir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ce métier, c'est un métier où tu es sans cesse obligé de te renouveler. Si tu ne te renouvelles pas, tu stagnes, et si tu stagnes, tu meurs. Oui, c'est ça. Parce que, tu vois, il y a une phrase, moi je garde trois phrases, si tu veux qu'on conclue. On conclut sur cette interview qui est très riche. Moi, j'ai trois phrases qui m'ont marqué. La première phrase, c'est Arthur Rubinstein, qui disait, et je vais te dire pourquoi je donne cette phrase, qui disait, si le premier jour je ne fais pas de gamme, je m'en aperçois. Si le deuxième jour je ne fais pas de gamme, ma femme s'en aperçoit. Si le troisième jour, je ne fais pas de gamme, c'est le public qui s'en aperçoit. Ah, génial. Moi, j'ai lu ça, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Et quand j'ai embrassé ce métier, j'avais une tête malléable. Ouais. J'avais bien mis avec l'étau sur la table du salon, de la salle à manger de mes parents. Donc, elle est quand même très décorative. Oui. Pendant 3 ans, quand même, on est resté là. Et chaque soir, je faisais une mise en pli directe ou une auréole Rambo avec des crans. Il n'y a pas un soir sans que je ne l'ai pas fait pendant 3 ans. Okay. Ça, c'est une chose. Et pour revenir, rejoindre aussi à ce qu'on pourrait dire à des jeunes. C'est-à-dire, c'est un entraînement perpétuel. Permanent. La deuxième phrase qui m'est restée, c'est une phrase qu'André Courrèges, le célèbre couturier, a dit. Et ça m'est resté toute ma vie. Et c'est dans mon ADN. C'est ne pas faire ce que les autres font mieux que toi. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ce que les autres font. Ils le font. Ils le font bien ou moins bien, peu importe, mais ils le font. Okay. Et donc, je n'ai pas envie de faire ce qu'ils font. Okay. C'est pour ça que sur scène, par exemple, je n'ai jamais eu envie de venir pendant 30 minutes, apprendre à des gens à faire un chignon. Si c'est le show, c'est le show. C'est ça. Si je veux apprendre à faire un chignon, je fais un masterclass ou je fais un stage. Voilà, ce n'est pas vrai. Et enfin, la dernière phrase, c'est quand même Yves Saint-Laurent qui l'a dit, c'est que les modes passent et le style reste. Génial. Et quand on a un style, ça reste. Il reste. Merci pour ce moment, ce temps partagé de coiffeur à coiffeur. C'est adorable. Merci, j'espère qu'il en sortira une belle,
interview lumineuse comme c'était aujourd'hui. Oui, tu sais, quand on se regarde, on n'est jamais vraiment content de voir notre voix, notre physique et tout. Non, mais on le sait. Mais moi, j'ai trouvé encore une fois cette initiative audacieuse, intéressante. Je trouve que en étant coiffeuse comme tu es, en vivant ta passion comme tu es, et je sais que tu es venue plusieurs fois me féliciter à la fin des représentations que j'ai données, venir comme ça, mettre cette expérience au profit des gens pour nous connaître mieux. Nous les artistes, parfois, où on a juste une vue commerciale, ben, je trouve que c'est C'est complètement désintéressé pour le coup de ma part. Ouais. C'est super. Je te fais une bise. Merci. Et puis je te dis à bientôt donc avec plaisir en 2020 en 2020 sur scène. Merci, bisous.